Vous avez l'air serviable. Pourriez-vous me fabriquer une truelle en mithril pour remplacer la mienne qui est usée? Pour vous remercier, je vous révélerai un secret qui vous aidera à trouver d'autres quêtes. Merci pour votre aide. Excusez-moi. Bien le bonsoir, petit monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes des amis de Gandalf. Pouvez-vous nous annoncer à lui? Gandalf? Pas vu depuis 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait alors? Tiens, c'est pour la route. J'en veux une. Trop l'attention sur vous. Je sais ce qui vous poursuit. Que sont-ils? Ce sont les Nazgûl. Les spectres de la nuit. À chaque instant, ils sentent la présence de l'anneau. Où nous conduisez-vous? Dans la forêt.
Nous y passerons la nuit. Tenez, c'est pour vous. Gardez-les à portée. Je vais surveiller les alentours. Restez ici. Et le second petit déjeuner ? Tu veux une tomate, Sam ? Qu'est-ce que vous faites ? Des tomates, des saucisses et du bacon bien grillé. Éteignez ce feu, sombre crétin ! Oh, je te remercie ! De la cendre sur mes tomates ! Thank you.
Aidez-le. Il a été poignardé par une lame de morgule. C'est au-delà de mes compétences de guérisseur. Il lui faut la médecine elfique. Vous avez entendu ça? Nous allons voir les elfes. Oh. Crois pas! Frodon. Arwen. Qui est-ce? Il disparaît. C'est une elfe.
Cela fait 2 jours que je vous cherche. Où est-ce que vous l'emmenez? Il faut le mener à mon père. Frodofir, Ayatradanir, Turgaith Ninberiadaon. Non, je ne les crains pas. Baseline. Où suis-je? Vous êtes dans la demeure d'Elrond. Gandalf? Oui, je suis bien là. Que s'est-il passé, Gandalf? J'ai été retardé. Il n'y a qu'un seul seigneur de l'anneau. Et il ne partage pas ce pouvoir. Frodon! Frodon! Sam! Miséricorde, vous êtes réveillé? Sam est resté à votre chevet. Grâce au talent du seigneur Elrond, vous commencez à vous remettre. Bienvenue à son compte, Frodon Sackey.
Étrangers venus de terres lointaines, amis de toujours, vous vous êtes rassemblés ici afin de répondre à la menace du Mordor. Qu'attendons-nous pour le faire ? Cet anneau est un don. Un don fait aux ennemis du Mordor. Pourquoi ne pas s'en servir ? On ne peut le contrôler. Aucun d'entre nous ne le peut. L'anneau unique ne répond qu'à Sauron. Et qu'est-ce qu'un rôdeur connaît à ces choses-là ? Ce n'est pas un simple rôdeur. C'est Aragorn, fils d'Arathorn. Vous lui devez serment d'allégeance. Le Gondor n'a pas besoin de roi. L'anneau est totalement maléfique. Il faut l'emporter dans les profondeurs du Mordor et le jeter dans l'abîme flamboyant d'où il est apparu autrefois. Je vais vous aider à porter ce fardeau, Frodon Sacquet. Mon épée est vôtre. Et mon arc est vôtre. Et ma hache. Et si telle est la volonté du Conseil, le Gondor se joindra à vous. Monsieur Frodon n'ira nulle part sans moi. Nous venons aussi. 9 compagnons. Vous formerez la communauté de l'anneau. Bilbon ! Prends-la, tiens. Du mithril. Aussi légère qu'une plume. Et aussi dure que les écailles d'un dragon. Ma vieille épée d'art. La lame devient bleue lorsque des orques sont proches. Et sache, mon garçon, qu'à ce moment-là, tu devras être extrêmement prudent. Le porteur de l'anneau prend la route en quête de la montagne du destin. La communauté attend le porteur de l'anneau. C'est à gauche ou à droite ? À gauche. Il faut passer par le col de Caradhras. Boromir, rendez l'anneau à Frodon. Je n'en ai cure. Thank you.
Thank you.
j'entends une voix sinistre dans les airs. Thank you.
faut quitter la montagne. Prenons par la trouée du rang. La trouée du rang nous rapproche trop d'Isengard. Passons par les mines de la Moria. Laissons le porteur de l'anneau décider. Nous passerons par les mines. Qu'il en soit ainsi. Les portes de Dena sont invisibles quand elles sont closes. Oui, Gimli, et leurs propres maîtres ne peuvent les trouver quand le secret en est oublié. Pourquoi cela ne me surprend pas ?